صباح الخير كيف حالكم الكل بخير الحمد لله صباح الخير مع برنامج في الفصل مع قناة ORTM اسمي الأستاذ يوسف سمكي معلم لغة العربية في سنوية كودونسو دانك اليوم الدرس الأول Les al-Hadi, Ashar al-Adabi. Donc aujourd'hui, c'est notre première leçon d'arabe, langue de communication, langue vivante 2, pour la classe des 11e lettre. Comme vous avez l'habitude de faire, donc on va essayer de réviser un peu des leçons de grammaire et un texte. Donc notre objectif à la fin. C'est de pouvoir connaître la différence entre les différents pronoms personnels et lire un texte. Et on va commencer. Adoma-iru. Ad Adoma-iru, c'est le pronom personnel. Adoma-iru, Ad le pronom personnel. Attention, Adoma-iru Ad en arabe est plus qu'en français. En arabe, il y a beaucoup de pronoms personnels, comme vous allez voir tout de suite là. Donc, on a divisé les adoma en trois parties. Awalan, Al-Mouhat-Tobou. Avec qui on parle On a quelqu'un devant nous, on parle avec lui. Donc là, on a cinq pronoms. Donc, on a Adoma-Iru, les pronoms personnels, attention avec ces mots. adoma Awalan, al tobou المخاطب هنا أنت 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 أنتما انت انت أنتما أنتما أنتم أنتم انت انت Donc, comme vous voyez, en arabe, il y a des différences. On a mislo anta anti. En français, on dit toi ti, mais c'est la même chose en français que ça soit masculin ou féminin. Donc, mais en arabe, anta, c'est le masculin, anta waladun, anta tilmizun. Tu es un élève, anta. Mais si c'est une fille, on va dire anti tilmizatun ». Et Antouma, en, en arabe on a dit le pluriel commence à partir de 3. Si c'est deux en ce moment c'est à part. On appelle ça al-musanna donc on dit Antouma, Vous deux. Et antum en français on dit vous que ça soit masculin ou féminin mais en arabe on en a deux. Antum pour le masculin, féminin masculin et antuna pour le féminin pluriel. Donc Adoma, al-mukhtabu ça fait cinq Anta, anti, antuma, antum, antuna. Donc là, avec qui je pars, qui est devant moi. Saniyan, al-gaibu, ceux qui ne sont pas là. Je parle de quelqu'un qui n'est pas là. Donc on a khamsa adoma ir-aïdan. Adoma là-bas, c'est khamsa là là tun hum donc comme on a dit en arabe on divise hein? il y a une petite différence entre masculin et féminin donc huwa il au singulier hiya elle au singulier Huma, ils sont deux. Il ou elle, ils sont deux. Hum, il, au pluriel, masculin. Donc, Huna, elle, au pluriel. Donc, ici aussi, on a cinq. Donc, ça va faire dix pronoms déjà. Donc, on a Al-Mukhatabou qui fait Khamsatoun. Al-Gaibou qui fait Khamsatoun. Après, on a al mutakallim celui qui part. Donc, moi, je fais partie. Donc, Adoma, Iru. On dit Al-Mu Ana. Ana Muallim Yusuf Samake. Ana muallimun. Nahnu. Nahnu. nahanu fi al » On est en dixième. Nahanu tala misu. Nous sommes des élèves. Donc moi qui parle, je fais partie. Donc, sur ça, on sait que maintenant en arabe, on a 12 pronoms personnels. 12 pronoms personnels. Al-Mukhatabu, ça fait khamsatun. Anta, anti, antuma, antum, Antunna Al-Gaibu, ça fait khamsatun. Hua, hiya, huma, hum, hun. Al-Mutakalimu, dont je fais partie, ça fait deux. « Ana »« nahnu. Donc, c'est ça les différents pronoms personnels en arabe. Donc, la différence c'est quoi En arabe, c'est détaillé. On en a douze. Maintenant, il y a à traduire. Donc, vous avez des mots que vous avez appris déjà. Et on a ajouté « Adoma iru ».« Adoma il ne faut pas oublier, c'est le pronom personnel. On dit « Tadjim ».« Ana tilmizun ».« Ana tilmizu. Ana tilmizu". معلم الآشري هو معلم الآشري انت مسؤوله الفصل انت مسؤوله الفصل نحن في الثانويه نحن في ana yati. anta fi ayi faslin anta fi ayi faslin donc vous allez remarquer on a utilisé adoma on a utilisé adoma iru et les mots que on a vu en dialogue c'est le vocabulaire que déjà on a vu donc il s'agit de traduire wahid ana tilmizun Snein, huwa muallimu al-ashiri, salasa, anti masulatu al-fasli. Arbaa, nahnu fi asanawiati. As Khamsa, anta fi a fasli. Donc, quand on emploie adoma iru comme ça, donc ça facilite la compréhension. Donc, ce qui à retenir, on a vu adoma ça fait isna, achara douze. On a al-mukhatabu qui fait Ham satun. Anta, anti, antuma, antum, antuna. On a al-ga'ibu qui fait Ham satun. Hua, hia, huma, hum, huna. Et on a al-mutakalimu qui fait Isnaini. Ana, nahnu. Et enfin, on a mis Abdoma Iru dans les phrases et on a dit de traduire. Donc, il faut les apprendre. Et on doit faire attention. Quand on traduit, il y a le masculin et le féminin. Il faut faire la différence. Et si c'est duel aussi, il faut écrire D. Hein? Parce que quand vous mettez seulement vous ou tu, sans mettre masculin ou féminin, ça ne colle pas. Donc, si c'est masculin, on anta par exemple anti, donc on doit mettre masculin ou féminin. Si c'est humain, ou en tout cas, on doit mettre deux. Il, elle, deux. Ou vous, deux. Donc, il faut que ça soit clair. Soukran. Al-An, naati, il a dars al ».« Darsu al ». Donc, on a résumé un texte. On va essayer de lire. « nasu c'est le texte. « nasu Al-Maoudou, al-Madrasatu. Al-Madrasatu. هو الموضوع المدرسة المدرسة كبيرة و جميلة فصولها نظيفة و A tu ha kafiratun. Wa sahat tu ha soghiratun. Wa mak tabat tu ha munazoma. فيها المراقبة والمستوصف النص الموضوع المدرسة المدرسة كبيرة وجميلة المدرسة كبيرة وجميلة فصولها نزيفة فصولها نزيفة وقاءاتها كثيرة وقاءاتها كثيرة وساحاتها صغيرة وساحاتها صغيرة ومك مكتبتها منظمة ومكتبتها منظمة فيها المراقبة فيها المراقبة والمستوصف والمستوصف الفقرة الثانية أذهب أذهب إلى المدرسة كل يوم صباحا ومساء أقرأ وأكتب في الاستراحه آكلو آكلو و حشبو و و انا أحب المؤلمين أنا أحب المؤلمين وهم وهم أيضا أيضا يحبونني يحبون ناني لأني لأني مجتهد وزكي ويد أيضا أذهب إلى المدرسة كل يوم صباحا ومساء أقرأ وأكتب في الاستراحة آكل وأشرب وألعب أنا أحب المعلمين أحب المعلمين أحب المعلمين أحب المعلمين نقول أحب المعلمين وهم donc c'est seulement quelques phrases pour voir comment on lit al en arabe ce qui est important c'est le vocabulaire Le vocabulaire il faut les apprendre parce que prochainement on aura à faire des phrases on va essayer de faire des textes. Donc pour le faire facilement, il faut avoir beaucoup de vocabulaire. Donc on dit Hati hazil kelmat. Donc on donne le sens de ces mots que on a déjà vus. Al madrasatu. Al madrasatu. Que veut dire al madrasatu? Kabirun. Kabirun jamilatun. jamilatun. attention. généralement on voit jamilun, qui est le masculin. ici on a le féminin jamilatun. nazifun. nazifun. al-murakibu. المراكب المودوء المودوء أقرأ أقرأ أكتب أكتب الأب الأب أحب أحب أنا أنا هم هم إذن كلنا نأتي بمعاني الكلمات المدرسة كبير جميلة نزيف المراكب al mawdouu donc ça ce sont des noms maintenant on a al ismu akraou aktubu al abu ohibu, al fil les verbes et on a ana hum ana hum ad c'est ce qu'on vient de voir tout de suite là donc ici on a les noms on a les verbes et on a les pronoms personnels. Il s'agit maintenant de donner le sens. Et si possible, on va essayer de faire les petites phrases comme on a l'habitude de faire. Comme azhabu il al-madrasati, adkhulu fil-madrasati, hein? Masalan, Aminata bintun jamilatun, Fatimata mizatun jamilatun. Donc c'est comme ça. Donc on donne le sens et si possible, on essaie de faire les petites phrases qu'on a l'habitude de faire. « Al-an na'ati ila amal manzili » Question de compréhension comme devoir à domicile. Donc, on va essayer de lire attentivement en nasu et on fait « al-mufradat ». Maintenant, « ajib amma yali mena Nassri. en nasu, le texte. Ajib, donc hati bi al-jawab, uktub al-jawab, uktub jawab al-as'ilati. Donc, alif, premièrement, c'est la question de compréhension, on dit, Hal, est-ce que, hal, tu hibou al-madrasata, hal, tu hibou al-madrasata. Isnein, mata, mata, quand متى تذهب الى المدرسه متى تذهب الى المدرسه كيف كما كيف مكتبه مكتبه لا بيبليوتيك مكتبه لا بيبليوتيك مدرستك Kaifa Maktabatu Madrasa Limaza, pourquoi? Limaza, yohibuka, mu'alimuka. Mu'alimuka, tes enseignants. C'est al c'est le pluriel. Mu'alimuka, tes enseignants. Donc ici, on cherche la réponse. Mais s'il y a certains mots, si on ne comprend pas, on ne peut pas répondre. Donc, il faut faire d'abord le vocabulaire, les retenir. Après, on essaie de répondre. « Hal tu hibbu al madrasata ?»« Matata ila ilal madrasati ?»« Keifa maktabatu madrasatika ?»« Limaza yuhibbuka muallimuka ?»« Ba ?»« Ba ?» Maintenant, les kawaïdou. Donc ici, on va essayer d'appliquer les leçons de grammaire que on a fait. On dit istakhrij enlève Istakhrid minanassi. enlève dans le texte Istakhrid minanassi. Wahid arba'ata asma'in muzakkarati »« arba'ata asma'in ismun asma'in. muzakkarun muzakkaratin arba'ata asma'in muzakkaratin donc quatre noms masculins isnain arba'ata asma'in ismun muannasatin muannasun feminin Dan arba'ata asma'in muannasatin salasa domiraini adomairu On vient de les voir. Donc, on enlève Isnein, Domiraini, De iru dans le texte. Donc, il s'agit de chercher ismo al muzakar On enlève Arbaa, Mislou, Arbaa. Quatre exemples. Et Ismu al-Mouannas, arba'atu »« Amsila, Mislou, Wahid, Isnein, Salas, Arbaa. Et puis, Adoma iru Isneen Fakat. Donc, on a les questions de compréhension et on a les notions de grammaire qu'on a faites. Donc, vous allez voir à et essayer de chercher des exemples de ces trois-là. Aïsmo al-Muzakar, Ismo al-Mu'annas et Adoma iru » Donc, c'était ce qu'on a à faire aujourd'hui, juste pour réfléchir la mémoire. في الأولى شكرا لكم مع السلامه الى اللقاء في الحصه القادمه مع قناه اورتن شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته